Partagez, partagez à fond, partagez à fond. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions en particulier pour Ali Bongo. Il a tué les Gabonais. C'est un assassin, mon père. On ne peut pas prier pour un assassin, mon père. On est à la messe là. Ali Bongo, c'est un assassin, Ali Bongo. Non, on ne peut pas accepter, mon père. Priez pour le peuple gabonais qui vit dans la peur, dans la misère. Nous pleurons nos enfants, madame. On est à la messe. On est à la messe, justement. Dieu doit nous éviter. La messe, c'est un assassin. Non, priez pour nos enfants qu'Ali Bongo a emprisonnés. Il a emprisonné nos mamans. Vous êtes en présence de Dieu. Vous êtes en présence tout justement, de Dieu. Tout justement, on juste aussi avec les martyrs gabonais. Nos mamans sont emprisonnées en ce moment. On ne peut pas prier pour un assassin. Vous ne pouvez pas. Nous ne sommes pas d'accord. Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne peut pas exaucer un pécheur. Il a tué nos enfants. Nous sommes en pleurs, nous sommes en larmes. Moi qui parle, je pleure mon fils. Priez pour le peuple. Ali Bongo, c'est un assassin. Ali Bongo est un assassin. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes un assassin. Ali Bongo est un assassin. Tu la touches pas. Non. Arrêtez. On se calme. Vous ne respectez pas les martyrs du Gabon. C'est inadmissible. Vous lui dites de se calmer. Dieu est miséricordieux pour Ali Bongo. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez aucun mot pour les victimes. Aucun mot. Il me pousse pourquoi? Je ne suis pas une délinquante, je suis mère de famille. Vous comprenez? Il ne me manque pas le respect. Ne le touche pas. Tu ne touches pas. Ali Bongo n'est pas un chrétien, il est musulman.